Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur ce nouvel épisode de Diamond Let's Play sur Final Fantasy 7 Rebirth. Alors, moi je vous avoue, depuis le dernier épisode, j'ai pas chômé. Je vous montre. On va mettre la carte. Comme vous pouvez le voir, je suis à 71 heures de jeu. Attendez, ouais voilà, ici. Ici. Voilà, vous pouvez le voir, 71 heures de jeu, d'accord. J'ai quand même bien monté, niveau 42. Mais c'est surtout les quêtes en fait, voilà, bim. Allez, on sort, on dézoome là. Voilà, alors. Ça, région de la prairie, c'était fait. Région de Junon, j'arrive pas à terminer le dernier Fort Condor, j'arrive pas. J'ai quasi cleané tout Corel. Il me faut encore une fois à Corel. Il y a les quêtes de la Protorelique, c'est pas encore débloqué. Il y a deux quêtes que je dois faire, sinon les cartes j'ai fait. La région de Gongaga, mon dieu. La région de Gongaga, l'ambiance elle est magnifique. Mais putain, sauter avec ses chocobos, trouver son chemin, c'était une galère. Et je vous avoue, ça m'a cassé la tête. J'ai fait toutes les quêtes, j'ai fait toutes les cartes. Il me reste un truc à faire à Gongaga. C'est pour les proto-reliques, sinon j'ai encore blindé de quêtes. J'ai cleané Cosmos Canyon et mon dieu, ça m'a pris 10 heures. C'est comme le problème à Gongaga, il faut prendre des vents, des courants d'air, faut sauter, ça m'a saoulé. Je ne vous ai pas vous mentir, ça m'a saoulé. J'aurais dû faire un peu de quête et continuer, mais je suis complétionniste. Mais là, j'avoue, pour le moment, j'ai une petite overdose de tout ce qui est quête annexe. Que je vais, et je pense que tout ça, je ferai en live une fois que j'aurai fait la fin du jeu. Parce que là, ça me prend beaucoup de temps. Le let's play me prend beaucoup de temps. Je suis un peu malade, j'avoue. Le boulot, la famille, là, ça commence vraiment à devenir compliqué. Maintenant, je pense que je vais rusher le jeu. Je vais essayer de faire que les quêtes proto-reliques et les jeux de cartes. Parce que le jeu de cartes, l'histoire, elle est épique. Franchement, ça, je peux pas rater. Là, maintenant, on va arrêter. Et on va aller à Nibelheim directement. La musique, elle est magnifique de Corel. La musique, elle est magnifique. Allez, go Nibelheim. Là, j'ai envie de l'histoire, là. Je veux dire l'histoire du jeu, parce que de l'histoire, j'en ai eu, hein. Oh là là, ouf, niveau univers étendu, mon Dieu, j'en ai pris dans la gueule. Ça, c'est une masterclass. Mais trop enchaîné de quêtes, là, ça m'a bombardé. Ah, on peut de nouveau... c'est déjà quelque chose de pouvoir un peu contrôler le Tiny Branco. Oh my god, Tiny Branco des... Je fais ça. Ah, c'est pourri avec les détections de mouvement. On commence à reconnaître la région de Nibelheim. C'est stylé. On va déjà à la maison Mog d'ici. La vallée aux étoiles filantes. Maintenant, on est au chapitre 11. Un village natal méconnaissable. Ciao, à la prochaine fois. C'est ici qu'on aura Vincent, les gars. Oh non non! Voilà, c'est ça que je veux! Attends-moi! Attends-moi! Je veux la matéria noire, Cloud. Oh, mais... Fistos! Mistos! Ah, on sent la manipulation, hein. Comment il a fait pour être là, celui-là? Matéria noire. Tout va bien?
Ouais. Fistos. Apparemment, lui aussi, il va à Nibelheim. Tout le monde va à Nibelheim. Se pourrait-il que le manteau noir de Cosmo Canyon ait voulu nous dire de venir ici? C'est juste une idée qui m'est venue. Ah, il a gardé... Ah, il a gardé sa voix d'enfant. Vu qu'il doit plus jouer un rôle, c'est cool. Mais je m'étais trop habitué à... au Nanaki badass. C'est un enfant, Nanaki, faut pas l'oublier. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce personnage, c'est que... on avait quand même des scènes, plusieurs scènes même, où on nous montre que Nanaki, c'est un enfant. Et qui jouait un rôle, mais c'est franchement, c'est trop bien fait. Mais ça me fait bizarre de l'entendre comme ça. Ok. Réunion. Omaewa. Réunion des. Ketsit, Nibelheim a complètement brûlé il y a 5 ans. Je sais pas si ton terminal... Je suis au courant de cette horrible tragédie. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le terminal. Il est dans un endroit très important pour la Shinra. Le réacteur Mako ? C'est important aussi, mais c'est pas ça. Je comprends pas votre manège, là. Mais si on veut trouver la matéria noire, faut bien qu'on utilise ce terminal, non ? Alors, on y va, et puis c'est tout. Oui. T'as raison. On est venu pour ça. J'aime bien. Il y en a beaucoup qui critiquent Yuffie parce que c'est une gamine et qu'elle fait chier. Mais c'est une gamine. C'est la force de la jeunesse. Elle prend pas quatre chemins. Elle va pas par quatre chemins. Elle y va droit. Et encore une fois, la phrase qu'elle vient de dire le prouve. Et moi, j'adore. Voilà, on continue. J'ai fait quelques trucs, les amis, entre temps. Pas me prendre la tête. Hein. Je pense, les amis, que. Tout ce qui est tunnel de vie, puits de vie et tout. Et je vais faire ça en live. Là, je vais enchaîner l'histoire, là. Je vais enchaîner l'histoire et on va pas se prendre la tête. Bon, le chat, tu rentres ou tu sors? Oh, c'est du bon contenu à faire en live et on platinera le jeu. Non, parce que j'ai pas envie de le faire en hard. Bon, c'est parti. Oi, oi, oi. Quoi? Oh, my God. Alors... Le pire, c'est qu'ils ont refait pareil, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Nibelheim. Oh my god. Nibelheim. Udinio. Cloud, viens voir. Regarde. En fait, c'est tout neuf. Ah ouais. Ça va être bien dans le Rebirth de Ils revoir ça. Le village, comme avant. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous aviez encore perdu la... c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, on se comprend. Et alors, qui est-ce qui a bien pu faire ça? La Shinra. Bon, allez, il faut trouver ce terminal. Coupon. Ils sont tous là. Et ben... Ça fait beaucoup de manteaux noirs. Ouh, ils sont blindés. Ouais. Et en plus, regarde les habitants. Je reconnais personne. C'est bizarre. C'est que des acteurs.
Est-ce que je peux vous renseigner, messieurs, dames? Un truc de fou quand même. Bonjour. Enchanté. Je suis un employé de Shinra Resort. J'ai besoin d'emprunter un terminal de la compagnie, alors je suis venu faire un petit tour dans le coin. Et qui sont ces gens derrière vous? Pardonnez-moi. Il se trouve que c'est mon village. Ou presque. D'accord, je vois. Êtes-vous au courant de la situation actuelle à Nibelheim? C'est stylé, on va avoir des détails. On est étonnés. Eh bien, depuis maintenant 5 ans, ce village est sous la direction de la compagnie Shinra. C'est devenu un centre de soins de personnes qui sont intoxiquées à la Mako. Ah, ok, ouais. Tous les droits de propriété ont été transférés. Si vous avez des réclamations, le service des installations spéciales devrait pouvoir vous renseigner. Nous vous remercions pour ces explications. Pour le terminal, je sais où il est, ce ne sera pas long. Je comprends bien que vous vouliez revoir votre village, mais je vous prie de ne pas vous y attarder. Oh, mais c'est incroyable, hein. Dans le set, pour moi, t'avais pas cet impact. Ça reste de la PlayStation 1 et la mise en scène. Il ne faut pas forcer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh purée, il y a des jours de Queen's Blood. Ça, je peux pas y résister, il y a que deux. Rassurez-vous, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a rien à craindre du tout. Où est-il, Isaac? Oui! Souvenir d'il y a 5 ans. Regarde un peu combien ils sont. Tous ces pauvres types. Tu crois vraiment qu'ils se sont traînés jusqu'ici à pied sans l'aide de personne? Tout ça, ça ne peut être qu'un coup de la Shinra. Ils détruisent ce qu'ils veulent quand ça les arrange. Et ils ont même le culot de reconstruire des faux à la place. À la Shinra, ils se croient vraiment tout permis. On va pas les laisser faire. Hein? Non, c'est hors de question. Tout ça, on va leur faire payer. Y compris pour les gens de ton village natal. Ok, on va aller voir Iris. Dis-moi, c'était là avant, ça? Ouais. Ça donne un petit peu envie d'y monter, non? Allez, on grimpe? La vue doit être sympa. On est toujours bien équipé. Mais... attends. Aujourd'hui, je vais donner un coup de main à l'unité médicale. T'as pas le droit, c'est Tifa et Cloud. Tout a l'air tellement normal. Ouais. Alors, c'est laquelle ta maison? Celle-là. Waouh, elle est jolie. Pardon, j'ai pas réfléchi. Ah, t'as rien fait? Elle y ressemble, mais c'est qu'une réplique. Alors ça me fait ni chaud ni froid. Regarde, ça c'est l'auberge. C'est à cet endroit que j'ai dormi il y a 5 ans. Là-bas, c'est l'hôtel de ville. Et là-bas, l'épicerie. Et puis là, la maison de Tifa. On va rentrer chez les gens comme ça. Alors dis-moi, tu l'as regardé d'ici? Bah ouais. Tu regardais Tifa à travers cette fenêtre? Oui. C'est possible, ouais. Ça a dû arriver. Tiens, vois, y a pas d'Iris, Cloud.
Quelle chance. Moi aussi, j'aurais fait ça. On devrait redescendre. Ouais, voilà. Vas-y, toi. Je reste encore un peu. Bah allez, vite, vite, moi je vais aller voir Tifa, là. Bien. Vous êtes de passage? Vous n'êtes pas là pour une urgence, n'est-ce pas? Si vous vous sentez mal, nous pourrons... Ah, c'est devenu un sanctuaire. Nous avons noté que des gens noirs portaient différents nombres tatoués sur le bras. Blood. Queen's Blood. Tu sais... Il y a 5 ans, je comprenais pas pourquoi mon père avait poursuivi Sephiroth jusqu'au réacteur. J'arrêtais pas d'y penser, depuis le moment même où j'ai repris conscience à la clinique. À quoi bon? Pourquoi chercher l'affrontement? Mon père ne pouvait rien contre lui. On en a eu la preuve. Mais après, en allant à Midgar, et en faisant tout mon possible pour me débrouiller seule, j'ai compris. Mon père, ce soir-là, a cédé à la colère. Il y avait des jours difficiles, mais il gardait espoir en l'avenir. Il avait fait tellement d'efforts que quand il a vu leurs fruits partir en fumée, il a craqué. Mais comment tu veux pas craquer? C'est cette colère qui l'a poussé à agir. Ouais. Alors moi aussi, j'ai rangé ma tristesse et... On te voit hein, quand tu passes, hein. Y a pas de fond. Hein. Moi, c'est pour toi. Hein. Regarde, vas-y, repasse, regarde-toi. Et tout à l'heure, on t'a bien vu. Quand? Et quand tu es passé, on a bien vu ton visage. On se voit que t'es canon. Et ça, habillé. Habillé, ouais. Changé, hein, à Paul, là. Oui, oui. C'était où exactement? C'était là, derrière. Normalement, ça devrait le faire. Putain. Si c'est un gros passage, je laisse. Hein. Ouais, c'est ça. Mon désespoir. J'en ai fait de la colère. Et j'ai décidé de rejoindre Avalanche. Mais bon, la colère, en fait, ça dure pas très longtemps. À mesure que les activités d'Avalanche ont gagné en violence, elle a fait place au doute et à la peur. J'aime bien Tifa. Je me sentais un peu perdue. C'est là qu'on s'est retrouvés. C'était le destin, je t'avoue. C'était le destin. C'était le destin? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Moi, je veux Tifa, moi. Il y a eu des hauts et des bas, mais je crois qu'on a bien fait de revenir à Nibelheim. Ils ont reconstruit cette copie du village, comme si rien ne s'était passé, pour tout cacher. Ah, tu as tellement foutu la merde. Ils le paieront. Sephiroth. La Shinra. La Shinra. Je leur pardonnerai jamais. Oh non, lui aussi joue au King's Blood. Oh, j'ai plus le temps. Ce serait bien qu'on ait le fin de l'histoire. Après tout, c'est nous. Bienvenue au dispensaire. Bon, elle est où l'hôtel de ville? C'est parti. Le travail ne... assurons un soutien aux résidents du village dans leur vie quotidienne. Ah ouais. Désolé, ça va prendre un peu de temps. Restez au village en attendant que Kaitzit ait fini. On est toujours bien occupé. Aujourd'hui, je vais... Ah, Luffy... Le réacteur Mako est par là. Dis, Cloud, t'y es déjà allé, toi? Bien sûr. Et donc, s'il y a un réacteur Mako, ça veut dire qu'il y a tout plein de Mako. Du coup, il doit y avoir des matérias précieuses là-bas, hein? Oh! À vrai dire,
Je m'en souviens pas. Moi, je veux Tifa, point barre. T'es vraiment un amateur. Ouais. Franchement, il vaut mieux qu'une experte comme moi aille vérifier ça de ses propres yeux. On en a qui, il est juste au-dessus. C'est quoi, là-bas? Il y a quelque chose qui me hérisse le poil. Le manoir Shinra. Oh, pardon. Je ne devrais sûrement pas parler de ton village de cette manière. C'est pas mon village. Non, je comprends. Quand j'étais petit, ce manoir me donnait la chair de poule. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne sert plus maintenant. Ketsit est à l'hôtel de ville. Voilà. On a parlé à tout le monde. Ah, ils ont même copié la gym. Hein. Allez, voilà. Ah, quel plaisir de vous revoir. Ouais, c'est bon, c'est bon. De merde. Mon véritable objectif est ni plus ni moins que le mont Nibel. La seule vue de la forme étrange de cette montagne me donne la chair de poule. Nul autre ne génère ce genre de sentiment. Puisque je suis à Nibelheim, je vais également en profiter pour figer le village sur papier glacé. Si vous dénichez une belle perspective... On s'en fout. Avertissez-moi. Oh mon dieu. J'ai plein de devoirs sur les... Y'a rien pour vous ici. Tu pourrais en profiter pour faire un petit tour dans le village. Mais c'est déjà fait. Sans oublier les mauvais souvenirs. Restez au village, mais purée. J'aimerais bien savoir qui est ce chat. Il maîtrise le terminal et il a des amis bien placés. Il a même pu accéder à la base de données centrale. Et ce ne serait qu'un employé de Shinra Resort? J'ai du mal à y croire. On nous donne déjà des pistes, hein. Je pourrais aller où maintenant? On va aller dormir hein, vu qu'on a vu Zach là. Rassurez-vous, il n'y a pas à avoir peur. Nid Hog, pas mal. Oh putain, les gars, les gars. Stylé. Oh my god, stylé. Y'a qui à côté? Attends, y'a personne à côté? J'ai peur de rentrer. Il m'a fait peur le con. T'as pas une amie d'enfance que tu veux voir? Une jolie fille que t'aimais bien? Sinon, tu veux pas que je te parle de la fille qui me fait craquer? Hein? Ça t'intéresse pas, c'est ça? Mais je vais t'en parler quand même. Déjà, elle est super mignonne. Non, en fait, elle est belle. Ça dépend sous quel angle on la regarde. Mais surtout, elle est vraiment adorable. C'est une fille de Midgar? Ouais, de la grande ville. Il a vu son visage! Zach. Putain, il s'est rappelé. Iris était amoureuse. Mon ancien collègue. Originaire de Gongaga. Je comprends pas. Il y a 5 ans, est-ce qu'on serait venu ici ensemble? Il peut pas se rappeler plus. Il peut pas se rappeler qu'il est mort en fait. Ils se sont rappelés de ce qu'il fallait pour pas péter un câble. Il sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Zach, c'était son collègue, il habite à Gongaga. Là, ce serait intéressant maintenant de retourner à Gongaga et d'aller voir Sisney. Mais là, il sait pas qu'il est mort. Il dit que Zach, il est quelque part. Mais normalement, non, on devrait aller voir Iris et parler de Zach. Je suis tout émoustillé. Ça défonce. Elle est où, Iris?
Je te jure que je vais aller lui parler. Je pense que c'est pas pour tout de suite, mais je vais quand même aller voir. S'il te plaît, laisse-moi un peu seul. T'es fâché ? Oui. Oui ? Contre moi ? Oui. Non. Contre tout. Je vous envie. Toi et Tifa, vous avez tellement de choses du passé qui vous rapprochent. Vous avez les mêmes souvenirs d'enfance, les mêmes références. Ouais, bah c'est pas notre faute. Moi aussi, j'aurais aimé avoir ça. C'est frustrant. J'ai besoin d'évacuer. Zack ? C'est pour ça que j'ai envie d'être seule. Si tu restes là, je vais m'en prendre à toi. Oui, Iris, Evil. Je peux pas. Je m'en voudrais après. Désolée, mais c'est gentil. Je reste encore un peu et je descends. Excellent. Excellent. Là, on voit un côté d'Iris, tu vois, qui s'est pas précisé dans... dans le set, hein. C'est pas possible, ça! J'y arriverai pas à partir de ce terminal. Il ne permet d'obtenir qu'un accès limité. Et du coup, t'as pas trouvé les infos nécessaires? Il est encore trop tôt pour abandonner. Dites-moi, monsieur, pourriez-vous nous laisser entrer dans le manoir Shinra? J'aurais pensé que vous y auriez accès. Non. Bien évidemment que non. Je ne suis qu'un simple employé de Shinra Resort. Pas mal, il est cet inscrit. Ma carte ne me permet pas non plus d'y entrer. Voyez ça avec mon supérieur. Votre supérieur est là? C'est qui? Un directeur? Où est-ce qu'on peut le trouver? C'est Monsieur Murasaki, chef de service en mission ici. Murasaki. Il conduit une inspection du réacteur. Il est censé revenir au village dans 2 jours. Mais on n'a aucune nouvelle depuis... Ça pourrait lui prendre plus longtemps. On ne peut pas se permettre d'attendre autant. C'est pas grave. Je vais aller le voir. Bonne idée. Au revoir. Merci pour tout. Excellent, mais c'est épique. Ketsit m'a dit, faut aller au réacteur, hein. Pourquoi le réacteur? On en a fini avec le terminal? On a besoin d'une carte d'accès. Je vais aller au réacteur pour la demander à un certain Murasaki. Cool! Ça m'intéresse carrément! Je viens avec toi! Moi aussi. T'es sûr? Aïe! Je suis quand même la meilleure guide du village. Pas mal. C'est vrai. Vous êtes certain que ça ira? On va dans la montagne emprunter une carte d'accès. C'est pas dur. Mais ça risque de vous prendre beaucoup de temps. Vous avez rien oublié? Cloud, fais vite, s'il te plaît. Non, si non, j'ai pas le temps pas, de faire. On va se faire piquer les matérias. Oh, j'ai envie de faire les cartes. Non, non, allez, on continue. Je ferai ça après. Apparemment, ils ont construit un nouveau pont qui permet de prendre un raccourci. Super! Allez, on est parti! Ça veut dire que Ratifa et Luffy... Oui, oui, oui. Oui, enfin! Monsieur... L'équipe de recherche que nous avons envoyée à Nibelheim. On me rapporte qu'elle a été prise en embuscade. Par qui? Par le Wutai. Quel enfoiré. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. J'ai trop refusé, putain. Allez, dépêchez-vous. On va voir la vérité. Au secours, aidez-moi! Il mélange encore, hein! Il croit que Zack c'était le... Oh, c'est stylé! Son destin ne dépend plus de nous.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu comme un flash. Zack était ici. Il est tombé dans la rivière. Et il s'est fait emporter par le courant. Et je crois qu'après ça... il est mort. Oh. Mais toi, tu devais te souvenir de ça. Alors pourquoi? Elle peut plus reculer, elle peut plus reculer. J'en ai pas parlé pour pas te perturber. Zack était pourtant un bon ami. Comment est-ce que j'ai pu l'oublier? Il a carrément inversé les rôles. Je vais finir comme un zombie, comme les manteaux noirs. Il commence déjà à se persuader que lui aussi va venir. Rien à voir. T'es en train de retrouver la mémoire. C'est plutôt bon signe. Bon, elle est magnifique, Tifa, elle est magnifique. Ouais. T'en fais pas. T'as raison. Faut le dire à Aerys. Faut lui raconter ce qui est arrivé à Zack. Ouais. Non mais, c'est des couilles. Tu veux bien me laisser m'en charger? Ben voilà, elle va lui raconter la vérité. Ce sera plus facile. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est génial. Désolé, on arrive tout de suite. C'est épique. Il vaut mieux pas parler de tout ça aux autres. Ok? Non, non, mais s'il vous plaît, quel respect du lore. Enfin, je vais voir s'il y a quelque chose. Quel respect. Ok, il n'y a rien. On n'a pas la carte d'accès de Murasaki. Le fait qu'on peut pas. Ok, c'est parti. C'est extraordinaire. Il mélange encore plus. Il est encore plus dans son délire. Mais il se rappelle de Zack. Et ça, c'est bien, ça. Non, non, je te dis pas, moi. Ok, glace. Donne-moi ça. On va voir la nouvelle technique, elle a. Enseignement secret. Yush. Prends ça. Shoryuha. C'est quoi ce boss? Ah, c'est quand on attaque Sephiroth. C'est un gisement de Mako. Attends, tout ça, c'est de la materia? C'est encore plus grand qu'il y a 5 ans. Des cristaux de materia. Les materia sont créés par condensation d'énergie Mako. En tout cas, c'est féroce. Cette formation naturelle est impressionnante. Je me demande combien de temps ça a pu prendre. Cloud, on devrait y aller. C'est irrespirable ici, pas vrai? Ouais, bah allons-y. Excellent, excellent, comment ça fait ta gamme? J'espère que la fin elle va être dark. Hein. Materia, inversion PM. Oh, il s'est. Sephiroth, il a dit la même chose. Hein. On fait pas de quartier. Par sécurité, ne te précipite pas.
Allez, allez, va. Touche-moi ça. Prends ça. C'est pas fini. C'est le moment. Touche-moi ça. Coup de grâce. Oh, c'est trop stylé. Divaguer. Putain, c'est haut. Oh merde, va se rappeler. C'est des shinobi! Des moutaïens! Alors, c'est la guerre? Et ma mission? Qu'est-ce qu'elle devient? On change de plan? Excellent. Pourtant, il y a le cessez-le-feu, n'est-ce pas? Normalement, ouais. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour les gens qui sont morts, ça change rien. Allons-y. Faut trouver Murasaki. Ouais.
Cette fois, ça y est. C'est vraiment la guerre. Pourquoi elles ont fait ça? Ils ne t'ont rien dit à ce sujet? Non, rien du tout! J'étais absolument pas au courant de tout ça! En fin de compte, je leur sers vraiment pas grand-chose, moi! Nous, tu nous aides beaucoup, en tout cas. Calme-toi. Oui, je sais. J'analyse ça. Alors, ces créatures ont été engendrées par le département scientifique de la Shinra. Cruel et désobéissant, elles furent officiellement euthanasiées. Les scientifiques n'ont pu échapper et continuer à évoluer. Détruire leurs tentacules avec leurs bras nous mettra en fragilité. J'arrive! À toi de jouer! Ok, c'est parti! Donne-moi ça! On va mettre hâte. J'arrive! Ça se permet de disparaître en plus.
objet. Méga potion. Comme par hasard. Ok. Hop. Pas mal. Allez, casse-toi, bouffon. Trouvons ce Murasaki. Murasaki de... Cloud sort. Par balle. Oh, c'est vrai, ça a recommencé les hostilités. Hein. Ce qui parlait Glenn et Rufus. Il y a quelque chose là. Pas de coffre, plus rien. Ok, c'est parti. C'est quoi ça? C'est Murasaki Des. Aïe! Romain, mais c'est trop bien fait. Pardon. Ça va aller. Ça va aller. Il n'y a pas à pardonner. Salle du fond. Il y a peut-être des survivants. Et on va rentrer dans la salle du Saphiros, la pète un câble. Bon, là, ça, quelqu'un. Il n'y a personne ici. C'est pas mal. Ils sont là pour l'autre. C'est ça bon. Va aller. Ouais. Ouais. Et hop. Oh, Ketsit. Tu m'entends, Yuffie? Où est-ce que vous êtes, là? Dans la salle au fond du réservoir. Et toi? À l'hôtel de ville. Je me suis connecté au réseau du réacteur en me disant que je pourrais peut-être vous donner un coup de main. Ah, vous avez trouvé Murasaki? Il est mort. Tué par des shinobi du Wutai. C'est pas vrai! Ça va compliquer les choses, cette affaire. Faut vite trouver le terminal du manoir. Est-ce que tu as la carte d'accès? Ouais. Parfait. Insère-la dans la fente de la console.
Grâce au protocole à distance, je vais pouvoir ouvrir les portes du manoir. Excellent. Et voilà le travail. Je pars devant avec les autres. On va chercher le terminal. D'accord. À tout à l'heure. Ça marche. À plus tard. Sortons. Quand on sera dans le manoir, commençons par chercher le terminal. Ah, l'idéal serait de le trouver avant le retour de Cloud et des autres. D'accord. Toi, reste ici pour les attendre. Quand ils arriveront, t'auras qu'à nous rejoindre avec eux. Tu nous retrouveras avec ton flair. C'est parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ça que je te le demande. Dans ce cas-là, j'imagine que j'ai pas le choix. Allez, la reprise à voix. Ah, stylé, on est Kate-Sid. C'était épique, hein, franchement, c'était génialissime. On va dans le manoir. C'est parti, on perd pas plus de temps. Oh my god, je veux jouer. Dans les grands espaces, Kate-Sid peut se déplacer plus rapidement en effectuant. Ok. Il fait des roulades carrément. Effectivement, c'est un peu bizarre. Hein. Les créatures du... Ok. Allez au manoir. C'est où le manoir? Ah, oh là là, le manoir Resident Evil. Checker d'abord que c'est quelque chose. Hein. C'est un bâtiment qui a une cinquantaine d'années tout de même. Il a été construit dans quel but? J'avoue que je ne sais pas exactement. En revanche, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de manteaux noirs dans le village. Et c'est quoi le rapport? Le professeur Ojo aurait apparemment utilisé ce manoir comme laboratoire d'expérience. Quel salopard! Ça, tu peux le dire. Hein. Allez, c'est parti. Oh, l'ambiance! Je suis sûr que ça fait Resident Evil. C'est stylé. Ok. On va quand même checker un peu. Hein. Dans la démo, j'avais pas bien regardé. Ah ouais, mais le temps il a passé là. Ça, c'est le président Shinra quand il était jeune. Fous la merde, Kate-Sid. Alors, l'ascenseur. On va pas y aller maintenant. Ok. On va monter pour voir. On peut pas. Ok. On va continuer.
Dommage qu'il n'y a pas l'ascenseur, les escaliers en collimation, quoi. Un ascenseur. La musique, elle est folle. Un petit coup d'eau gazeuse. Ah. Alors, on va y voir. Alors. Bon, combat d'office ici. Wow, drôle d'endroit. On dirait la planque d'une bande de mioches. Cet endroit est peut-être piégé. Je vais vérifier pour en avoir le cœur-net. C'est quoi ça? Je vous souhaite la bienvenue dans mon manoir, mes chers petits hôtes. Oh merde. J'ignore qui vous pouvez bien être et d'où vous venez, mais sachez que cet édifice est désormais abandonné. Vous pourrez chercher autant que vous le voudrez. Je doute que vous trouviez quoi que ce soit qui ait de la valeur. Ah, tout va bien. C'est seulement une IA de surveillance. Toutefois, j'ai un grand attachement sentimental pour cet endroit. Alors j'aimerais que vous évitiez d'aller y fureter comme bon vous semble. Et donc, sans plus tarder, vous allez vous retirer, chers hôtes indésirables. Tiens, enculé. Il nous a bien eu, cet enfoiré. Laboratoire d'études de la macro. On dirait bien qu'on est enfermé. Ça a beau n'être qu'une intelligence artificielle, elle est aussi vice-larde que Ojo. Regardez ce conduit. Je devrais pouvoir y passer, moi. Bon, je vais nous sortir de là. Comme par hasard, il est pratique ce conduit, hein. Les sécateurs, on s'en fout. Hop, y a rien. Très mauvaise idée, la roulade. Faites appel au grand manque pour secourir. Voyez. Alors, comment ça se passe? Il y a un moyen d'ouvrir la porte de ton côté? Balancer ça. Mégaphone en or, ok. Thank you.
alors hop. Bravo, bien joué. Vous pouvez compter sur moi pour nous conduire hors d'ici. Cherchons notre chemin. Il est trop bien animé, Kaitsit. Hein. Oh, j'ai un de ces coups de pompe là. Coup à pompe. Anomalie détectée. Arrêt d'urgence du monde charge. On dirait bien que c'est ce truc là qui gêne. Lancer des caisses. Là. Inspection terminée. Le monte charge va redémarrer. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était nul, bordel, cette partie est ouf. Ouais, je vous ai coupé tout ça, hein, regarde. Purée, une heure. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le boss, hein. Oh, me chiotte. Resident Evil. Oh, mais laisse-moi régène. C'est un truc de fou, il me laisse pas régène. Eh, ça a abusé comment il arrache. Mais se penche du mur. Attention.
Il est chiant ce boss, hein. Et non. Si t'as perdu connaissance. Mais il se passe quoi? Ouf! Purée! T'es blessé? Ah non, je me reposais juste un peu en vous attendant. Sur ce, dépêchons-nous de poursuivre notre ascension. C'est toujours pas fini, bordel. Ah là, ça devient lourd, là. Franchement, là, ça devient lourd. Ah, pour vous, ça va être cut, hein. Mais oulala. Les longueurs comme ça, c'est bon, on a compris que le jeu était long, mais là, c'était vraiment trop. 1h28 à faire ce donjon, là, quasi. Allez, 1h. Arrêt momentané du monte-charge pour cause d'inspection. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Non, mais qu'est-ce qui cloche cette fois? Non, là, c'est trop. Vous ne pouvez pas aller plus loin sans le code. Le revoilà. Allons, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Si je suis là, c'est avant tout pour vous aider et vous permettre de sortir d'ici. Ha! Ravale tes salades! Force est de constater que vous êtes bien plus coriace que je ne l'imaginais. Ouais, il est vraiment là, en et fait. Donc, plutôt que de vous laisser vous déchaîner ici, il m'a paru plus raisonnable de faire en sorte que vous puissiez quitter les lieux de manière pacifique. Le code d'accès se compose de 4 nombres à 2 chiffres, si je me souviens bien. Voyons, ils sont inscrits quelque part dans cette salle, mais je ne me rappelle plus où exactement. Eh bien alors, qu'attendez-vous donc pour les chercher? Oh là là, là c'est lourd là. Là franchement, là c'est trop. Alors 59. Non, 7. Je commençais à m'impatienter. Mais entrez donc. Que j'ai enfermé un spécimen devenu incontrôlable. Oh merde! Stylé! C'est le boss qu'on ouvre le coffre, Donny the Life. Donc de faire disparaître ce sujet d'expérience raté. On va lire la. Kitesite, compétences, analyse. Alors, le fait d'alterner entre résistance physique et magique selon miroir peut donc peut être interrompu avec une attaque physique. Pure. Non, arrête! Il est en faire un carton.
ça va. Varret, il a beaucoup d'énergie. Allez. Ouh, carrément. Sors. Attends. Ok. Bon. Voilà. Oh, chaque fois j'oublie que je peux pas rouler quand je suis avec le monstre. Alors, sort. Extra soin, lui. Barrette. Ménage miaulant, allez hop. Iris, elle a quoi? On va mettre vent en plus, extra vent. Là, ça va lui dégommer là. Ok. On va jouer Cake Seat. Sort. Soin. Barrette. Soin. Cake Seat. Iris. Bon. Mais il est pas en mode. Il est en mode physique là. Ok. Allez hop, transcendance. Barrette. Il est où Barrette? C'est pas le moment. J'en veux encore. Allez, colère maximale. Attends, y'a quoi avec Iris? Rafale coordonnée, on va tester. Hein. Les lunettes. Allez hop, on attaque. Stylé. Avec les compliments d'avalanche, Iris. C'est qui? C'est Kate Seed. Sort. Compétence. Tu lui donnes ça à la tête. Ok, ça va. Ah, il a miroir purée. Bon, il faut pas utiliser de magie là. Ok, magie. Non. On va mettre cuirasse. Iris. Soin.
Barrette. Hop. J'en veux encore. Tu vas t'en manger une bonne dose. Ah là, c'est des attaques pure physique là. Tu crois que ça ira? Alors hop, compétence synchro, Kaitsi tu fais encore. C'est quoi ce bazar? Il est dégueulasse. On remonte sur le gros chocobo. C'est juste pour augmenter la barre. Voilà, synchro. Toujours pas. Barrette. Mais bon, c'est quoi? Hop, arrête. Allez, hop. Explosion de macro. Alors, sort. Hop, barrette. Kate City, il a quoi? Sort, il a plus de PV. On va lui mettre objet. Mets-toi une. Hop. Me tiens-toi. J'espère que ça te plaît. Voilà. J'envoie tout d'un coup. Fais tes prières. Ah, c'est la magie maintenant. Ok, on va charger. J'espère que ça te plaît. Me tiens-toi. On va lui mettre feu. Ouais, sérieux là! Hop! Sors! Ça va te faire vibrer! Ah, ok, la tentacule, les trucs! J'avais pas vu! Alors, objet! Voilà! Là, compétence synchro, ménagement, on va mettre tentacule. Ça lui a enlevé que dalle ton truc. Sort, vent. Ok, les tentacules elles sont immunisées. Barrette. Alors, sort. Tentacule. J'en veux encore. Dégage de là. Allez, on va invoquer la Kishivalinga. Ok. Allez, allez. Oh, la Shiva elle fait des dégâts là. Objet. Alors,
sort, rentre. Ok, immunisé. Bah, on va soigner avec Iris. Transcendance, vent guérisseur. Oh, j'attendais que ça. Tu vas t'en manger une bonne dose. Allez, casse-toi, bouffon. On a pris un peu de temps, mais ça, maintenant... Maintenant, c'est qu'est-ce bon, là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Bon travail, chers hôtes. Grâce à vous, mon manoir est désormais un peu plus propre qu'auparavant. Quel enfoiré! Bien, voyons. Vous avez éliminé le sujet d'expérience qui était retenu ici. Il est donc temps pour moi de vous tirer ma révérence. Vous m'avez offert un beau spectacle. Sur ce, au plaisir de vous revoir un jour. Cathy et les autres sont parvenus à échapper au Joe. La prochaine fois que je le vois, je manquerai pas de lui enfoncer ses lunettes dans le crâne. Tu m'aideras, bien sûr. Avec plaisir. Oh my word, plaisir. Dépêchons-nous d'aller en haut. Faut vite trouver ce terminal. Comme par hasard, le terminal il était en haut. C'était long pour rien, en fait, hein. Caverne souterraine. C'est là qu'on... Mais non, on va pas voir tout seul. Ah, ils sont là. Eh ben, vous avez l'air plus fatigué que nous. Ça va, vous? Ouais, ça va. Vous avez trouvé le terminal? Ben, pas encore. On a eu quelques problèmes. Bon, allez, cherchons tous ensemble. On va pas passer la journée ici. Ouais, allons-y. Allons-y. Enfin, je peux récupérer The Cloud. Alors, équipe d'exploration de la Cloud et ses camarades sont à nouveau réunis. Ils doivent s'enfoncer davantage. Kate veut absolument accompagner Cloud lors des recherches. À vous donc de sélectionner... Oh là là, mais je veux pas de Kaïsite, moi. Non, pas synthèse, pas synthèse. Modifier l'équipe. Oh, je garde Barrett. Ah, je vais garder Barrett, il me faut quelqu'un d'éloigné. C'est Vincent. Oui, c'est Ben Sinté. C'est stylé. Excuse-moi. Excuse-moi. Stylé. C'est un cercueil. Ouais, pas mal. Stylé. Oh, il est trop stylé. Qui êtes-vous? Et toi alors? Dis-nous qui tu es. Vincent Valentine. Je suis... Je ne sais plus. Le gardien de ces lieux. Pouah, c'est quoi ces yeux? Je ne vous connais pas. Que voulez-vous? Utilisez le terminal. Tu es un soldat.
carte d'accès. Tout ça pour ça. Pas vrai. Ça casse un peu l'ambiance. Vincent se bourre. Oh. Je vois. Cette carte permet bien d'accéder au terminal. Ouh. Parfait. Oh. Stylé. L'ennui toutefois, c'est qu'elle n'est pas à toi, mais à Murasaki. Que lui est-il arrivé ? En effet, la carte d'accès appartient bel et bien à quelqu'un d'autre. Mais on en a un besoin urgent pour vérifier une information. On ne peut vraiment pas se permettre que notre ennemi nous passe devant. Un ennemi ? Et de qui s'agit-il aujourd'hui ? Il est stylé, Vincent ! Sephiroth. Notre véritable ennemi. C'est un homme qui autrefois était un héros. Sephiroth. Désormais, il veut obtenir un immense pouvoir qui lui permettrait de détruire la planète tout entière. Intéressant. Bah, il est trop stylé. Eh bien, on dirait que j'ai encore un péché de plus à expier. J'ai déverrouillé la salle pour vous. Faites comme bon vous semble, Monsieur Murasaki. Oh, la musique! Il nous laisse y aller? C'est bien ça? Ah, il va nous rattraper après. Mais en plus, ça fait passer à la partie Crisis Core aussi. Ah, il est là. Cloud, tu peux passer la carte? Confirmed. Je vais faire aussi vite que je peux, mais ça risque de prendre un peu de temps. Ouh, c'est la salle où Sephiroth il a pété un câble. Elle est où, Tifa? Toujours parler à Tifa d'abord. Non, on peut pas leur parler. Et plus on se rapproche. Ah, on passe, c'est nous. Allez, continue d'avancer. Encore un peu. Oh, je suis en stress. Dun, 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 dun. S. Et Waku, avance. Oh.
Cloud, viens, sortons. Oh non. Je suis au fond dedans. Oui. Je ne me rappelle pas vous avoir autorisé à entrer dans cette pièce. Oh. C'est une petite erreur involontaire. Je te prie de... Miaou. Lâche-moi, s'il te plaît. Ne fais pas de mal. Relâche-le. On va se battre contre lui. Qui est dans son bon droit? Est-ce moi? Ou bien toi? Ou bien toi? Je suis désolé, mais je suis pas d'humeur à discuter. Quelle coïncidence. Moi non plus. Moi non plus. On va se battre contre Vincent. Il va se transformer. Quel claque. On va se battre contre lui. Saloperie de monstre. Chillé. T'es coupé dans le chien. Oh la la. Il nous montre la puissance de ce truc. Non. À 1500 équipes, c'est déjà ça de gagner. Le combat, il est dingue. La musique, écoutez-moi cette musique de fou. C'est un peu chaud là. Ça va pas. Objet. Hop. Voilà. Faut que je souffle la tête. Je m'en charge. Ça fait chier que Kaïtsid soit dans le groupe. Propagation du chaos. Oh putain, c'est épique! Dégage de là! C'est quoi ce truc? Je me fais défoncer, mais c'est trop stylé! Wow! C'est trop stylé! Non, non, 4. Oh. Il est temps de faire. Allez, vas-y, attends.
Ok, c'est pas grave, Kelsey. Objet. J'adore. Hop, on met transcendance. Oh, je peux pas. Ah ouais, je dois être sur le gros mob. Objet. Les gars, je suis en train de... Je kiffe. Il est où? Oh, le pauvre, il l'a pas lâché. La musique, elle est énorme. Oh, me demande pourquoi j'ai le Final Fantasy en fait. Arrête, on va augmenter nos barres. Ou augmenter. Barrette, on va se soigner. Je vois qu'il y a quelqu'un de mort. Merde. Objet, tu mets méga brume. Ah ouais, purée. Objet. Et puis je vais voir ce qui a le mode technique, hop. Il est trop tôt pour abandonner. Triangle, c'est qui? C'est pas fini. Son lieu. Oh. Ouais non, mais Cloud Enfin, je veux dire qu'elle cite là. Un combat grave, putain, c'était épique. Je sais qui tu es. L'ancien Turc, Vincent Valentine. J'ai vérifié. Ton nom était dans la base de données. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu restes ici. Et elle a certainement un lien avec Sephiroth, n'est-ce pas? Tout ça ne te regarde pas. Comme tu voudras. Mais tu peux venir avec nous. À vrai dire, pour ce qui est de Sephiroth, personnellement, je suis pas convaincu qu'il soit en vie. Mais je crois qu'en accompagnant ces gens, on pourrait découvrir quelque chose. Si tu préfères, tu peux rester. Allez-vous-en. Ne revenez plus. Grandiose. Très bien. Allons-nous-en alors. J'ai découvert où se trouve le temple. Pas la peine de traîner ici. Pas le temps de rêvasser. On y va. Putain, mais qu'est-ce que c'était épique. Cloud Barrett, voilà. Et Tifa. Alors, moi, c'est mon groupe. Il doit bien y avoir des matériaux cachés quelque part, non? Mais tu penses
quoi? Bah, c'est ma mission. Alors c'est bien normal quand même. Ah ouais, sacré raccourci. Bon, on va enfin aller au temple. En tout cas, je vous préviens, la matéria noire, je la chope direct. Si je la récupère pas, je serai complètement déshonorée. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de ton honneur? Tu veux te battre ou quoi? Et ce temps, il se trouve où? En fait, il y a un tout petit problème. J'y crois pas. Tu vas quand même pas nous dire qu'en réalité, tu sais pas où il est. Non, non. Je sais bien où il se trouve. Seulement... Avant ça, il faudrait qu'on fasse un tour au Gold Saucer. Hein? Mais pourquoi? Parce que pour pénétrer dans le temple... Il va nous falloir un objet spécial qu'on appelle la pierre-clé. Et apparemment, ça fait bien 20 ans que personne sait où elle est. Toutefois, le dernier endroit où elle a été vue... C'est au Gold Saucer, n'est-ce pas? Rien ne dit qu'on y trouvera quelque chose. Mais bon, c'est la seule piste que nous avons. Je te fais confiance. Allons-y. Ça va faire encore plus mal. Je te remercie. Ça me fait très plaisir. Quand Katie, tu t'attaches trop à lui, tu t'attaches trop à lui. Merci. Bref, il n'y a pas le choix. On se met en route dès que tout le monde est prêt. Bon, on va se soigner là. Voilà, c'est ici que s'arrête cet épisode. Pour vous dire, moi j'ai 2h16 de vidéo. J'avoue, le manoir Shinra, c'était tiré en longueur pour rien. Des boss, franchement, on s'en battait les steaks, c'est vraiment du remplissage. C'est dommage, ça vraiment, à ce niveau-là, je suis d'accord, ça a vraiment cassé le rythme. Mais sinon, tout le reste, c'était épique. Oh putain, Vincent, il est trop stylé. Oh là 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 là. Bon, ici c'est Cal, et je vous dis à une prochaine fois pour la suite dans mon let's play sur Final Fantasy Remake. Ciao.